Grise, elle est grise, comme son père, Lord du Sud. Elle s'appelle Elwyn Amance, elle porte le numéro 5. On va essayer de la reposer un petit peu, la faire reculer ou avancer, parce qu'elle est un peu en dessous d'elle. Voilà. Un truc comme ça. Lord du Sud, donc, est Alice Amance, nous est présenté par Monsieur Hubert-Claude Delorme, de Dion, dans la Saône-et-Loire. La mère est par Valanour. Valanour, bien sûr, il est resté dans les mémoires comme père de Voix du Nord. Le regretté Voix du Nord. Et la mère, c'est né de la meilleure souche de Hubert-Claude Delorme, puisque c'est une sœur de Nydéa Dumoulin et de Saphira Amance. Deux excellentes pouliches, tant en plat qu'en obstacle. On va pouvoir marcher, effectivement. Voilà, qui sont illustrés en plat, mais encore mieux en obstacle. Nydéa Dumoulin a gagné le prix des Coudrets à Enghien, le prix Roland Roger Soulanges-Bodin à Auteuil. Elle était très impulsive, cette fille de Vidéo Rock, elle allait devant. Et puis aussi, on avait la bonne Saphira Amance, qui a gagné 5 courses et qui a pris 16 places en obstacle. Enghien, Cagnes-sur-Mer, voilà, des vrais chevaux de course. Si on remonte un peu la famille, on trouve Upsilon Dumoulin, Cosaque du Moulin, etc. Mais enfin bon, on a quand même dans ces 10 ou 15 dernières années deux chevaux de pouliches de très haut niveau qui sont sortis, allez au trot désormais, qui sont sortis dans cette famille. Voilà, c'est quand même assez important de voir que les femelles avancent dans cette souche, parce que ce n'est pas le cas de toutes les familles où les femelles peuvent obtenir d'excellents résultats, notamment en terre parisienne. C'est le cas pour la souche du numéro 5, Elwyn Amance.